Le scandale des écoutes suscite toujours l'indignation du grand public en Grande-Bretagne. Après les dernières révélations sur le rôle des journalistes et de la police, les regards se tournent désormais sur le Premier ministre. La question sur son avenir au 10 Downing Street se pose de plus en plus. Je ne pense pas que nous en soyons encore à ce stade, mais il est gravement affaibli par cette crise et chaque jour qui passe apporte son lot de développement plutôt inquiétant pour lui, explique cet analyste. Dans les rues de Londres, c'est évidemment la consternation qui domine. Beaucoup estiment entre autres qu'un durcissement de la réglementation des médias est plus que nécessaire. Pour cet avocat, les médias doivent se montrer plus responsables. Quand je regarde les médias de masse, dit-il, je vois peu de responsabilisation, pas assez de transparence, et je pense que le scandale du piratage a mis en évidence ces problèmes, et le fait aussi que les médias ne se préoccupent pas assez du public. Je trouve que le travail de la police est amélioré ces dernières années, dit cet homme, mais beaucoup de gens continuent d'avoir des réserves à leur sujet. Ce scandale ne va pas s'arrêter là, estime cet autre, et je suis convaincu qu'on en apprendra bien plus au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Une chose est sûre, explique notre correspondant à Londres, la confiance doit être restaurée, pas seulement dans les médias, mais aussi au sein de la police qui a désormais perdu ses numéros 1 et 2 suite au scandale du piratage. Pour le Premier ministre David Cameron, maintenir la confiance est également d'une importance capitale et surtout l'un des plus grands défis qu'il a dû affronter jusqu'ici. Ali Sheikh Al-Islami, Euronews, London.